ce matin-là. Bienvenue chez moi. Entrez. Diana Bouli nous ouvre les portes de son appartement à Abidjané. Allez. Je suis super contente de vous faire entrer dans mon univers et vous verrez aussi comment je crée du contenu à la maison. Tout se passe dans cette pièce là-bas. Il est 11h et il ne faut pas traîner. Elle doit réaliser l'une de ses vidéos hebdomadaires pour TikTok, le célèbre réseau social. Alors, bienvenue dans mon studio, c'est ici que tout se passe. Voilà. Ici, les placards regorgent d'accessoires en tout genre. La plupart customisée par Diana elle-même. C'est un peu le côté créatif, do it yourself. Il y a tout, il y a des tissus, il y a des foulards. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le recyclage. Donc je peux prendre un foulard comme ça, ça devient, je sais pas, un petit haut. C'est magnifique, non? Un petit haut. Pour la vidéo d'aujourd'hui, le thème est choisi. Ça sera les années 80. Bon, c'est bon, le matériel est installé. Hello, hello la famille, rebonjour à tous, je crois que vous portez bien, moi je me porte à merveille. Bienvenue sur votre page Buzz Pro Mars, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. Comme vous le savez si bien, ici on est spécialisé dans le Japap et le béret des stars en Afrique et par le monde entier. Je me présente, je suis Afro Princesse, l'assistante de Buzz Pro Mars. Nous avons tous suivi la vidéo ensemble, cette vidéo de Diana Bouli qui m'a vraiment fait plaisir. Elle est partie avec nous chez elle, elle nous a fait découvrir son univers, comment elle crée les vidéos et tout ça là. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Vous savez, Diana, c'est une TikTokeuse que j'aime beaucoup. Elle est parmi mes TikTokeuses préférées, qui a eu beaucoup de persécutions, surtout dans son pays. Elle a été victime d'empoisonnement, les body shaming et tout le reste. Mais par la grâce de Dieu, elle est allée en Côte d'Ivoire et actuellement, elle est en train de vraiment trouver ses opportunités. Comme elle-même, elle a dit dans son post récemment, la Côte d'Ivoire, c'est le carrefour du showbiz en Afrique francophone. Vous-même, regardez comment elle est valorisée là-bas. Regardez comment elle a pris du poids. Regardez comment même son talent et son encre de percer. Avant, elle ne voyageait pas. Maintenant, elle a commencé à prendre les avions. Elle est déjà allée en France 2 fois. Elle émerge bien. Elle est à l'aise. Elle profite. Elle vit sa best life. Elle a recommencé les études. Tout est OK là-bas. Généralement, quand on dit qu'un pays ne te valorise pas, non, maman, va ailleurs pour saisir les opportunités. Les gens ont commencé à dire, oh, tu as régné le Cameroun et tout. Moi, je te comprends parfaitement. On connaît tous comment notre pays fonctionne. Il est bien vrai, on aime beaucoup le Cameroun, c'est vrai. Il y a certains qui trouvent leurs opportunités là-bas, comme certaines influenceuses l'ont dit, Amy Dani, Muriel, Blanche, Marcel. Mais toi, autant pour moi, si tu peux trouver ailleurs, tu pars. Comme actuellement, moi, je suis à l'étranger, c'est parce qu'au Cameroun, je n'ai pas pu avoir mes opportunités. Mais je sais qu'ici, en Espagne, j'aurai également mes opportunités. Et je vais rentrer investir dans mon pays. Donc, si Diana fait ses beurres là-bas, moi, ça me plaît. Regardez vous-même. Elle est déjà interviewée par les grandes chaînes. RTI, c'est une très grande chaîne. Elle est tout à l'aise. Vraiment, bravo, maman. Je ne peux que t'encourager. Tu es une continentale. J'aimerais que tu partes au sommet de ton art. Que tu deviennes même, par exemple, la TikTokeuse préférée, pas seulement de l'Afrique, même du monde. Pourquoi pas voir une continentaise être ici à ce niveau? Nous-mêmes, on est seulement là, on a les grands entre nous. Beaucoup de Camerounais n'appréciaient pas Diana juste pour le fait qu'elle était quittée. Voilà aussi Stéphanie qui est quittée, non? Pourquoi vous ne jetez pas aussi des pierres sur elle? Laissez-la tranquille. Continue ainsi. Et moi, je sais que ce n'est que le début même de ta gloire. Tu vas aller plus loin que ça. Et j'aimerais également que tu continues avec tes marques de cosmétiques comme Kimi. Parce que je sais que tu es une personne qui aime beaucoup se maquiller et tout et tout et tout. Moi, je comptais déjà te faire la recette. Après, j'attends. Le stock est terminé. Je ne sais pas si tu as relancé ou pas, mais il ne faut pas arrêter. C'est généralement ce genre de choses qui font que on vous critique beaucoup sur les réseaux. Quand tu commences un projet ou un business, va avec ça jusqu'au fond. Ou bien si tu as arrêté, viens annoncer à tes internautes de pourquoi pour le moment c'est en stand-by. Quand on dit être influenceux, c'est que tu vis par rapport aux réseaux sociaux. Tu exposes ta vie, tu racontes les péripéties et tout. C'est tout ce que nous on attend. Félicitations encore à toi ma chérie. Que le Seigneur te bénisse dans ta carrière. Je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi j'ai commencé à suivre Diana Khan, elle n'avait même pas encore 200 000 followers sur TikTok. C'est quelqu'un que j'ai suivi comme ça, son évolution de bout en bout. Et actuellement, la voix ainsi, je ne peux qu'être fière d'elle. Moi, j'aime beaucoup suivre les stars en herbe. Je vois comment tu évolues, jusqu'à ce que tu deviennes une méga star.
Bon, la famille, c'était juste mon commentaire par rapport à cette interview de Diana à RTI. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours. Tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Prenez soin de vous sous la protection divine. Je vous aime très, très fort.